La décentralisation est au cœur du projet politique de l'UMP. C'est nous qui avons inscrit dans la Constitution la République décentralisée. La proximité, la responsabilité, ce sont des valeurs. Pour nous, l'homme est libre, responsable. Dans son territoire, lui aussi, le territoire doit être libre et responsable. C'est pour ça que nous voulons une décentralisation qui libère les énergies, mais aussi une décentralisation financièrement responsable. On ne peut pas accepter que certaines régions multiplient les dépenses de fonctionnement quand l'État, lui, de l'autre côté, fait des efforts de bonne gestion. Il faut donc être libre et responsable pour la personne comme pour les collectivités territoriales. Dans la décentralisation, la question des ressources est fondamentale. Nous voulons que les collectivités territoriales aient les moyens de leurs projets, mais pour ça, il faut protéger la relation de sincérité entre les financements de l'État et ceux des collectivités territoriales, mais aussi l'autonomie financière. Nous l'avons inscrite dans la Constitution. Et puis nous voulons de la justice territoriale. C'est au cœur aussi du projet UMP, pour que les territoires les plus fragiles, la ruralité, les zones de montagne et toutes ces villes qui connaissent des difficultés aujourd'hui de gestion, que les territoires les plus fragiles, par la péréquation, bénéficient de la solidarité des territoires les plus riches. Il faut donc, dans cette crise mondiale, européenne, mais aussi française, défendre nos convictions. Le territoire est un espace républicain de liberté et de responsabilité.